Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Technolac avec l'équipe de Simplicity pour vous parler d'un festival de musique, Les Voix du Prieuré. Ensemble, on va rencontrer quelques personnes, quelques acteurs de ce festival qui vont vous en parler mieux que moi. Quel est votre rôle? Vous êtes directeur artistique au sein du festival, Des Voix du Prieuré. Et puis j'ai eu la chance de le créer. Bien sûr, de le créer. Alors vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs interprètes de la musique française des 19 et 20e siècles et de la musique romantique allemande. Mm-hmm. Comment est venue l'idée de ce festival, la création de ce festival? L'idée est venue d'une heureuse rencontre avec l'ancien maire du Bourget-du-Lac qui s'appelle Chantal Gambu. Oui. Et Chantal Gambu m'a proposé un jour de la rencontrer en disant voilà, nous avons un très beau lieu patrimonial, le Prieuré. Est-ce que vous voudriez réfléchir avec nous, est-ce que vous voudriez le faire vivre, nous aider à le faire vivre? Très bien, alors comment s'est fait le choix artistique des artistes qui sont présents? Alors cette année, nous avons pris le parti d'inviter aussi au centre de notre festival un ensemble allemand qui est très décoiffant, on dirait. Et autour, j'ouvre pratiquement le festival avec une rencontre voix et violoncelle. Il y a un très bon violoncelliste, Ophélie Gaillard, qui a repris, qui maintenant enseigne à Genève. On va profiter de son équipe et de son savoir. Et puis, nous avons la chance d'accueillir pour la seconde fois l'ensemble Affiletta, qui sont des chanteurs corses de très grande qualité, qui sont devenus d'ailleurs des amis depuis. C'est un ensemble qui fait vraiment une carrière internationale. Cette année, on les invite à Aix-les-Bains. Merci beaucoup Bernard Tétu. Merci. Alors vous intervenez les 24 et 25 mai avec les Slicks. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui sont les Slicks? Alors les Slicks, ils sont malheureusement peu connus en France. Je crois qu'ils tournent sur certaines radios. Ils sont en Allemagne, c'est 6 musiciens, 5 voix d'hommes et 5 voix d'hommes et une voix de femme. Et depuis quelques années, c'est des jeunes qui sont rencontrés alors qu'ils sont donc des origines entre guillemets de culturelles très différentes, mais pour un certain nombre d'envies et de passions et surtout de messages. Et par exemple, leur travail, c'est sur les musiques actuelles, les musiques monde, mais au travers de leurs compositions, avec des textes assez forts sur ce qu'ils voient du monde actuel. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est 6 voix vraiment. Et il n'y a pas d'instrument sur le plateau, alors qu'ils font du funk, du groove, du pop. Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un de bande-son. Voilà, ils ont une technique vocale telle qu'on est dans un vrai concert de musique du monde actuel, musique actuelle, sans aucun instrument, que la voix. Vous avez à découvrir le 24 et le 25 mai, alors où ça? Alors, tout se passera sur le Bourget du Lac. Oui. Le 24 mai à 18h, on sera certainement dans la salle de la Traverse, donc au Bourget du Lac, la salle de spectacle. Le 25, on accueillera des lycéens dans l'après-midi et des collégiens, toujours à la Traverse. D'accord. Voilà, et ensuite, ils se reposent 2 minutes. Ils boivent un coup et après ces concerts à la Traverse, à 20h30 je crois. Merci Farid. Isabelle Avril-Durand, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes membre du comité artistique du festival, coordinatrice des apéros vocaux et coordinatrice de l'action à destination des publics scolaires. Voilà, c'est ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle au sein du festival Les Voix du Prieuré. Voilà, donc je fais partie du noyau dur, on va dire, de l'organisation du festival. Nous travaillons déjà sur la programmation de l'année prochaine. Elle est quasiment bouclée d'ailleurs. Et puis moi, je suis rentrée dans ce festival professionnellement parce que je suis conseillère pédagogique. Et que donc je m'occupe des écoles, donc avec beaucoup de projets scolaires dont a parlé Nadine Belli tout à l'heure. Et c'est le fil qui me relie au festival. Et puis très rapidement, je suis rentrée dans l'organisation parce qu'il s'est passé une histoire d'amitié et puis surtout de philosophie et de croyances communes sur la culture pour tous et la culture fondamentale pour tous. Bien sûr. Alors, une petite nouveauté cette année, donc les gens pourront récupérer leur place comme les années précédentes à l'office de tourisme du Bourget du Lac. Et cette année, ils pourront acheter leur billet en ligne sur www.xv20-spectacle.org. Le festival de musique Les Voix du Prieuré, c'est à découvrir au Bourget du Lac en Savoie du 19 mai au 5 juin.